Donc, tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarious et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarious, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours! Nous sommes attaqués! C'est... quelqu'un! Mork? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Accroche-toi! Oh. Attention! Je fais toujours attention, hein? Mais où m'emmènes-tu exactement? Eh ben, je comptais te conduire dans ma planque. Mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de gélatonium. Juste au-dessus de la planque. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue aussi loin. Il y a un énorme marécage acide entre nous et l'usine de gélatonium des Morques. Ces scarabées n'ont aucun problème avec l'acidité du marécage. Les scarapides? Ouais, c'est pour ça que je vais en chevaucher un. Dès que je serai assez près. Oh non! Ratchet, est-ce que tu me reçois? Oh non, mon communicateur doit être en panne. Oh. Mais j'avais pas ça sur mon compte la dernière fois. Oh! C'est parce que j'y ai ajouté notre ami commun, à Nefarious City. Ok. Tu en as acheté assez? Débarrassé avec brio. Il va où ce scarapide? Cette grotte semble abriter une sorte de distorsion dimensionnaire. Voilà le dernier scarapide qui file dans cette espèce de... paille. Alors, monsieur je sais tout, c'est quoi cet endroit? Je dirais... une poche dimensionnelle? Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. Mais d'où est-ce que tu sors tout ça? C'est Ménard! Le robot a tout fait des Morques! Il a dû entrer dans la faille sans faire attention. Là, le scarapide! Ne cache pas! Ah, tu vois. Oh, non!
hasard me conduira peut-être jusqu'aux mortes. De gélatonium. Tenez bon, mes amis. On a traqué le Lobax et son mini-robot à travers les dimensions. Alors on va pas se laisser avoir par des boules de poils. Alors je te donne 9 secondes et demie pour nous dire où les trouver. Hein? Attendez un peu. Tu vois, ils sont à la recherche de Ratchet. Je t'ai dit la vérité. Pose toujours. Moi, je vais sauver mes amis. Hey, je vais vous dire, moi, où trouver une Lombax. Mais je vous préviens, elle sait se battre. Quand on a su que ces types traquaient un Lombax, on s'est inquiété pour toi. Finalement, on dirait que c'est toi qui nous as sauvé la mise. Attends, où sont les autres? Bah, il y a plein de morques coincées dans ce truc bizarre, là. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça n'arrête pas de grossir. Oh, entre ça et notre nouveau voisin là-haut, c'est pas franchement la joie. Oh, pas de soucis, je vais régler ça. Histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Urki. Morg va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Urki? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vie dure, j'espère. Juste un peu. Tu pourras le donner toi-même à Morg une fois que tu l'auras sorti de ce gros machin violet.
Je ne détecte plus aucun ennemi. Hein? C'est bête. On a levé le pont pour protéger ta plante. Mais les commandes pour permettre de la baisser sont sur cette plateforme. Encore merci. Je vais trouver un moyen d'y aller. Oh, Yout, c'est délicieux, ça donne soif. Oh, mais qui Aïe. Ok. Défense d'entrée. Compris. Pourrais-je y jeter un œil? J'ai une certaine expérience des anomalies dimensionnelles. Je... D'accord. Salutations, bienvenue. Et comment es-tu entré ici? Où sommes-nous exactement? Ici? Oh, tu l'ignores. Eh bien, je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions. C'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure anthropique cataclysmique qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe. Le temps le dira. Oh. Oh non. Eh bien, je m'appelle Clank, si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255 face Omega. Mais tu peux m'appeler Gary. Ah, voilà Clank, robot de guerre réformé, partenaire du Lombax, héros reconnu. Oh, ça c'est la classe. Oh, un ami de mon père, je vois. Votre père? Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Acceptes-tu de m'aider à réparer les dimensions? Je crois que les choses commencent à prendre du sens, en termes de dimensions. Ah, une sphère de vitesse, pour aider à la mobilité. À mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bout de cet obstacle. Vous aussi vivez sur Sargasso, Gary? Sur Savalios, je mène mes études dans les archives. C'est véritablement la plus grande source de savoir dimensionnel que je connaisse. Je me demande si une vitesse accrue aiderait mes possibilités à franchir ce gouffre. Fantastique! Tu sembles avoir un talent inné, Clank! Disons que je suis prudemment optimiste. J'ai bien conscience que j'apprends quelque chose en élucidant ces énigmes, mais je ne saurais expliquer de quoi il s'agit. Les mots viendront lorsque tu seras prêt. Pour l'instant, mène tes possibilités jusqu'au dernier méta-terminal. Et sans vouloir te stresser, des tas de choses dépendent de toi. Des tas et des tas. Si je répare cette anomalie, tous les dégâts causés dans cette dimension seront-ils réparés également? Oh non, les anomalies se répandent trop vite pour ça. Je crains qu'un cataclysme dimensionnel soit déjà en marche. Et notre seule chance de l'arrêter, c'est justement ce qui l'a causé. Le dimensionnateur? Tout juste. Mais si réparer les anomalies t'aide à en apprendre davantage sur la dimensionnalité, tu devrais bientôt en savoir assez pour nous sauver. Espérons. Je suis perplexe. Je ne sais pas si je serai capable de résoudre toutes ces énigmes. Pourquoi dis-tu cela? Il y a bien longtemps que je n'ai plus accompli d'actes héroïques. Et étant donné tout ce qui s'est passé avec le dimensionnateur, j'ai de quoi être inquiet. En période de grand stress, c'est-à-dire à chaque jour de ma vie, je pense qu'il vaut mieux aborder les problèmes un par un. Se concentrer sur ce qui se présente.
pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à toi. Ça fait l'effet d'un remontant. Réparer l'anomalie, nous avons fait un pas de plus vers la prévention du cataclysme dimensionnel. Là, je lui dis, écoute, Mork, toi, Mork et Mork, vous allez planquer cette limonade avant que Mork arrive. Waouh, tu les as sauvés. Comment t'as fait ça? Je n'en suis pas très sûr. Oh, Rivette, comment ça va, ma grande? Regardez qui voilà. Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarious City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandée... Ce vieux tadbou sera bientôt comme neuf. Je baisse le pont et ensuite je t'emmène dans ma plante. Qu'allons-nous y faire exactement? Tu le sauras bientôt. Des armes ou des munitions? Les deux, je parie! Moyen d'y aller.
peut interagir avec ces failles. Talonge dimensionnel, oui. Essaie de viser la faille. Wow! Trop cool! Moyen de passer. Ah! Si tu veux traverser, sauter ne suffira pas. C'était juste pour voir. T'as regretté de l'avoir suggéré? Que dis-tu du scarabée? Qu'est-ce que j'en dis? Allez, c'est parti! On y est presque! Et bien sûr, on tombe sur un autre Gringor! Je confirme, je regrette! Qu'il faut les actionner rapidement. Ouais, les morts adorent compliquer les choses. J'ai l'impression qu'il faut les actionner rapidement.
Ouais, les morts adorent compliquer les choses. On y est. Je vais découvrir la vérité à ton sujet. Si seulement je pouvais parler à Ratchet. Ah, enfin chez moi. Pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Écoute, je suis pas fan des robots. Surtout quand ils sèment le chaos dans ma galaxie. Ce n'est pas mon cas. J'essayais d'aider Ratchet à trouver les autres Lombax. On le saura bien assez vite. Il me suffit de vous scanner, toi et l'inforobot que j'ai trouvé à Nefarlax. À l'abri ici. Je t'assure que ce n'est absolument pas nécessaire. Donc, tu n'avais pas menti. C'est ce que je t'ai répété plusieurs fois. Ton Nefarius, il ressemble beaucoup au mien. Et il est tout aussi méchant. Quant au Lombax, je sais que ça va te paraître dingue, mais... Tu penses qu'il n'est autre que ton double dimensionnel? Un truc comme ça. Écoute, je sais pas trop ce qui se passe, mais on va arranger ça. Oh? Mais tu détestes les robots. Enfin, je crois. Pas tous les robots, juste... la plupart. Tu sais, comme l'Empereur, ces imbéciles de serviteurs, les pirates... Ouais, je sais, c'est plutôt ironique. Oh, je suis vraiment navré. Je n'avais pas l'intention de... Tu culpabilises? C'est quand même moi qui viens de fouiller dans ton journal intime. De l'astropode doit se trouver sur son dos. Si j'arrive à le détruire, ça devrait suffire à l'arrêter. Je dois détruire le stabilisateur. Allez!
m'échapper. Il est grand temps de changer de tactique. Déploiement d'explosifs amphibies. Lance tout ce que tu voudras. Tu ne m'échapperas pas. Sauvez Boulon. Pour atteindre le stabilisateur de vol, je dois d'abord grimper sur son dos. Ça va, Boulon? Tu es venu me sauver? Merci. Ouais. Après tout, on a encore une affaire à régler, toi et moi. Bon, on devrait aller voir si Mork a réparé le vaisseau. Au fait, que dirais-tu d'un amplificateur de signal pour réparer ton communicateur? Ce serait... Ce sera pas aussi cool que ce qu'on va trouver dans cet info-robot, mais ce sera pas mal. Ribet, le vaisseau n'attend plus qu'à toi. De quoi s'agit-il? Fantôme, Moidoy, Capitaine Quantum, Klatsky... Moi. Membre de la Résistance, j'envoie la liste de cibles de l'Empereur sur le réseau. En route. Il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'Empereur nous trouve nous aussi.